va les laisser quand même s'installer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ici pour cette conférence. Et surtout, un grand merci à Véronique Pitchon et Elhoussen Oussiali qui nous ont concocté cette soirée spéciale autour de la poésie bachique arabe. Donc, ils sont tous les deux chercheurs au CNRS. Et ils travaillent avec nous depuis plusieurs mois sur ce sujet, ce qui nous a permis d'enrichir considérablement le parcours de l'exposition. Je vous rappelle donc que c'est en lien avec l'exposition 2020 qui se trouve juste à côté et que si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez visiter jusqu'au 17 janvier. Donc un enrichissement de ce parcours, mais aussi un enrichissement notable pour les collections de la BNU, puisqu'ils travaillent sur nos manuscrits arabes et contribuent par leurs recherches à la restauration, la numérisation et un meilleur référencement et une meilleure compréhension de ces documents. Voilà, donc un grand merci à eux et une très bonne soirée à tous en leur compagnie. Merci Florence. Ben donc, puisqu'on est dans la phase des remerciements, je voudrais remercier avant tout le service communication culture et le service restauration et ainsi que tout le personnel de la BNU qui nous a permis d'être ici ce soir. Donc, comme l'a dit Florence, cette conférence rentre dans le cadre de l'Expo 2020. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, essayez d'y passer. Vous verrez des manuscrits arabes sur le vin et notamment un des manuscrits de Al-Hilli dont nous allons parler ce soir, que nous traduisons avec Hussein. Alors, je vous explique un tout petit peu le déroulé. Donc, il va y avoir des sessions de récitation de poésie en arabe et apparaîtra en même temps le texte en français. Donc, c'est ce que nous allons commencer. مزجها المدام فالمز لنقصها تمام لا أشربها بغير ماء فالخمر بعينها حرام حمراء لنورها وميض يجلي بشعاعه الظلام الدر لكأسها نتاق والمسك لدنها ختام شمطاء شمطاء تنجلي عروسا للدر بنحرها ندام للهم بمزجها قطوب إن لاح لثغرها ابتسام. Je pense qu'on va. Je vais laisser celle-là, puisqu'elle était presque terminée de toute façon. Je suis désolée encore une fois. Bon. Donc, ce n'est pas le moindre des paradoxes que de faire une conférence sur la consommation de vin en islam. En effet, nous connaissons tous l'interdit religieux dont est frappée cette religion concernant la consommation d'alcool. Dans ces temps troublés que nous vivons dans nos rapports à la religion musulmane, il n'est pas une semaine sans que l'on ne mette en avant les interdits et les restrictions la concernant. Pourtant, on ignore souvent que derrière cette religion restrictive en apparence se cache une civilisation des arts, de la culture et de la science qui ont apporté au monde moderne occidental nombre de connaissances et de techniques qui ont perduré pendant des siècles. Cette civilisation a connu un âge d'or durant la période médiévale et c'est durant cette période
comptent éclos différents genres littéraires, dont la poésie. Cette poésie arabe peint par le menu les activités les plus sensuelles de l'être humain, à savoir, et en premier lieu, la boisson, l'amour et la nourriture. De nombreux poètes arabes s'y sont essayés et l'on parle d'un corpus excédant largement les 1000 textes. Elle s'est déroulée elle a été écrite durant entre les, disons, les 7e siècle et les 13e siècle. Et donc, durant cette conférence, nous traiterons de tous les aspects où s'exprime la consommation du vin à travers la verve poétique qui permet la transposition des mots en images grâce à l'imagination et grâce à l'expression verbale. Nous étudierons ainsi de manière systématique les aspects matériels, humains et sensoriels liés à la consommation du vin. Mais avant cela, il m'a semblé nécessaire de replacer cette intervention dans le contexte historique de l'émergence de la culture qui est un résultat de l'installation de l'islam sur le pourtour méditerranéen. Alors, cette carte vous trace un peu la sphère d'influence de l'islam, qui est bien sûr née dans la péninsule arabique au 7e siècle, par la révélation d'Allah à son prophète Mohammed. Et donc l'islam très rapidement va se répandre au nord-est, vers l'Irak, l'Iran, la haute Mésopotamie, vers la Syrie, et va pénétrer le monde gréco-romain, puis va également prendre place sur toute l'Afrique du Nord, ainsi que dans la péninsule ibérique, et sur divers territoires, notamment la Sicile. Avec cette répartition de l'islam dans cet espace géographique vaste, les centres vont se créer des centres de pouvoir, notamment Bagdad, Damas, Le Caire, mais également dans les villes occidentales à l'ouest comme Cordoue ou Kairouan, par exemple, en Tunisie. Et donc, en chaque endroit où s'installent ces sphères de pouvoir, qui peuvent être des cours califales ou des émirs, l'excès de luxe devient un des moyens de frapper l'imagination et de légitimer un chef dont la puissance vient par essence de sa succession aux prophètes. Et donc, cette nouvelle élite politique attire à elle toute la culture, qu'elle soit littéraire ou scientifique. Et donc, ces cités vont devenir le berceau de nouvelles générations de poètes. Alors, les califes successifs ou les princes, pour des raisons politiques, mais souvent par passion pour l'art, vont attirer auprès d'eux les premiers poètes en assurant un mécénat assumé qui va permettre aux poètes d'avoir un revenu, en quelque sorte. Alors, on se met au service d'un maître riche, exigeant et capricieux, et on est convié à des cercles ou des salons connus sous le nom de majlis. Mais on peut également être convié lors d'un repas pour l'animer en déclamant des vers au milieu des plaisirs de la nourriture, du vin, de la danse et de la musique. Alors, le poète n'est pas un écrivain, n'est pas une personne complètement déconnectée des faits et gestes de la société dans laquelle il vit. Il en est un maillon essentiel. Un commensal recherché, parfois adulé, une véritable star dont la rémunération témoigne de sa célébrité, une célébrité qui va même être parfois supérieure à celle des princes qu'il servait. Alors, je précise tout de suite, vous voyez des images qui m'ont servi à illustrer les propos. Donc ici, par exemple, on a deux majlis. Je ne suis pas une spécialiste de l'iconographie, je ne vais pas m'attarder à décrire les images, elles servent juste de support.
Et donc, elles sont là pour illustrer le propos, mais je ne les commenterai pas vraiment. Alors, donc, la poésie va concerner le vin. Le vin en arabe, c'est ramr. Donc, d'où vient ce mot? Quelle est son étymologie? La racine en trois lettres, donc ramr, est utilisée dans la construction du mot arabe, ramr, qui veut dire le vin, et elle dérive du verbe rammara, qui signifie couvrir, cacher, et qui est une étymologie lointaine du même terme en araméen, qui signifie fermenter. Cette racine renvoie aussi bien à l'idée d'être enivré, d'étourdir, que à celle de cacher ou de taire. On retrouve cette étymologie par exemple dans le mot al-rimar, le voile, qui est là pour couvrir et faire disparaître. Donc une fois on part de l'idée que le vin dissipe l'esprit, et dans son deuxième sens il s'agit de dissimuler une partie de son corps, en l'occurrence le visage. Les nouveaux poètes créent ce qui va devenir la poésie arabe classique, en innovant et en accentuant sur la présence de thèmes comme le plaisir ou les modes de vie décrivent les mutations sociales qui touchent la société musulmane, notamment les citadins. Et ils mettent en avant les plaisirs, en premier lieu, la nourriture et la boisson. Donc cette poésie dédiée à l'alcool s'appelle « Ramriyat », ce qu'on appelle en Occident la poésie bachique, et elle en possède les caractéristiques. C'est un moyen de véhiculer la beauté du vin, sa saveur et ses effets. Mais cette poésie, et nous y reviendrons, est par des aspects très subversifs, puisqu'elle encourage une consommation en théorie interdite par le Coran. Elle le fait de manière humoristique, voire caustique, et elle s'exprime avec une liberté de ton et un accent satirique. C'est une poésie souvent populaire qui est taillée pour l'amusement et la délectation du public. Mais avant tout, cette poésie constitue un éloge du plaisir, de la beauté et de la douceur de vivre. C'est aussi un art verbal qui possède un rythme, un souffle, et cette oralité est une des caractéristiques de la poésie arabe. Alors, on trouve souvent dans la littérature contemporaine ou dans la littérature médiévale écrite par les rigoristes musulmans médiévaux l'idée que cette poésie est mineure. On la dénigre, on tente de la faire passer pour un genre dévoyé par rapport à la vraie poésie. Or, quand on analyse les diwans, c'est-à-dire les recueils de poésie, on observe qu'ils sont significativement étendus. Par exemple, dans le manuscrit dont je vais parler juste après, le manuscrit d'Al-Hilli, sur lequel nous travaillons, il y a 800 poèmes, 70 sont dédiés à la consommation du vin. 68 exactement, me fait remarquer non, aussi. Pages, ouais. Alors, d'accord. Donc, tous les poètes les plus célèbres se sont essayés à la Ramriyat. Donc, comme je l'ai dit, on ne parle pas de quelques poèmes épars, mais réellement de milliers de poèmes écrits entre le 8e et le 13e siècle, 14e siècle. Le maître incontesté est Abu Nawas. Donc, quand on parle de vin, on ne peut échapper à citer son nom. Donc, je m'inspirerai de ses poèmes tout au long de la conférence. Et un deuxième poète sur lequel nous allons nous attarder est Safi al-Din al-Hilli, que nous avons choisi, je l'ai expliqué, parce que nous avons eu la chance de découvrir dans le fond des manuscrits arabes de la BNU un diwan, un recueil de poèmes avec une ramriyat conséquente, magnifique, que nous avons entrepris de traduire. Donc ce Al-Hilli, il est né vers 1279 à Al-Hilla et il est mort en 1348 à Bagdad.
Ce n'est pas un poète, enfin, son métier n'est pas poète, puisque c'est un marchand qui voyage et qui ainsi exerce son art auprès de nombreux souverains et notables. Et sa plus grande œuvre est le Diwan, le recueil de poésie. Et il se distingue par la volonté, son approche quasi encyclopédique de la tradition poétique. Il veut écrire sur tous les genres classiques, donc qui sont reportés sur ce slide. Donc je ne m'attarderai pas, mais bon, il va y avoir des poésies portant sur la glorification et la bravoure dans la guerre, des poèmes sur la chasse, des poèmes d'amour charmant qu'on appelle Razal, qui fait partie du genre classique de la poésie. Et puis donc le chapitre 7, qui porte sur le vin et les fleurs. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et examinons les différents thèmes des Ramriyats. Et à tout seigneur, tout honneur, le vin. في حال شربها وينعش منها الروح والجسم والقلب معتخة أفنى الجديد عتيقها وأبى سميما من حشاشتها لبا محجبة وسط الدنان ونورها يخرق من لألأ غرتها الحجبا كميت كميت إذا شاهدتها في إنائها ولكن لصافي لونها دعيت صهبا إذا مسها وقع المزاج تألمت وأزبد منها الثغر وامتلأت رعبا وأعجب من بكر لها الماء والد وترجع أن رام تقبيلها غضبي عجوز إذا ما أبرزت من حجابها تريك نشاطا كالغلام إذا شب هي الشمس إلا أنها في شروقها إذا مزجت في كأسها أطلعت شهبا إذا جليت في كأسها وتبرجت وزادت نفوس الوامقين بها عجبا يعض عليها التائبون بنانهم ويندب كل منهم عقله ندبا إذا ما حسوناها أقروا بأنهم قد ارتكبوا في تركها مركبا صعبا ولم أرى حبرا تابعا نفع نفسه فلله ما أعمى الجهول وما أغبى Alors le vin est au cœur du discours poétique et il est désigné par une grande variété de noms qui désignent sa nature, qui témoigne de l'amour et du respect qu'on a pour lui, qui parle de son âge, des régions vinicoles dans lesquelles il est produit, de son vieillissement. Le poète nous parle des différents vins qu'il boit, ce peut être du vin de raisin, du vin de date ou de l'hydromel. Et il lui attribue une multitude de noms qui qualifient divers aspects. Donc, par exemple, on va désigner le vin suivant sa couleur, donc Ramr, le vin rouge, mais il pourra avoir une couleur café, il pourra prendre la couleur de la robe du cheval, il peut avoir une couleur dorée ou il peut avoir différentes variations de blanc. On parle aussi de son âge, donc le vin vieux est le plus prisé, il porte différents noms. On parle aussi du fait que le vin est bu pur ou mélangé. Et ce qui est intéressant, on parle aussi du moment de sa consommation. Il y a des vins du matin, des vins du soir. À chaque fois, donc, le nom change. Et puis, on le décrit aussi par ses effets sensoriels. Donc, il peut avoir des effets durables. Il peut causer un frisson. Il peut avoir le parfum d'une fleur. Et un aspect très intéressant est la personnification au travers de la comparaison avec la femme, qui sera tour à tour la mariée, la vierge
ou Banatu al-Kurum, la fille du raisin. Et là, ce n'est pas n'importe quelle fille, on insiste sur la filiation paternelle et donc la grande qualité du vin. L'âge du vin est un critère très important. Il est comparé à une vieille dame cachée dans une jarre dont on l'extrait avec précaution. Et alors que certains atteignent l'âge de la décrépitude, ce vieux nectar renaît le jour de sa mise en perse, trouvant dans son vieillissement les qualités de sa jeunesse. Donc Halili, que nous venons d'écouter, nous parle, je surlignais en rouge, d'un vin vieilli qui est libéré de sa jeunesse, et ainsi l'essentiel de son goût demeure. C'est un vin qui est caché dans la jarre, cette vieille boisson, en se dévoilant, montre la vivacité d'un jeune garçon plein de jeunesse. Le thème du goût et celui du parfum sont aussi des thèmes que l'on trouve souvent, ils se rejoignent. Le parfum et l'odeur sont sans doute la faculté sensorielle la plus évoquée dans la poésie, les facultés sensorielles les plus évoquées dans la poésie bachique. Le poète procède par analogie avec l'odeur des fruits, l'odeur des fleurs, l'odeur des épices. Et ce n'est pas un hasard si on trouve à la fin de la Ramriyat les poèmes dédiés aux fleurs et souvent au jardin, qui est décrit comme l'arrière-plan d'une joyeuse beuverie et comme un lieu invitant à prendre le bon côté de la vie. Les autres aspects du vin que l'on retrouve souvent dans la poésie sont la couleur et la limpidité, qui sont des thèmes très largement évoqués. Et quelle que soit sa couleur, le vin est toujours limpide. Une des comparaisons favorites du poète est celle avec la larme versée. Le vin est clair comme une larme versée dans un œil sans colle. Le vin est limpide et dégage une odeur aussi pure qu'un parfum d'aromate. J'ai choisi cet extrait. Je lui ai accordé un peu de tranquillité après lui avoir généreusement donné un peu de temps. Sa couleur dorée se révèle dans un verre de cristal étincelant. Et je lui servis une rousse au visage irradié par une lumière telle qu'elle fait ressembler la nuit profonde au jour. Son visage est joyeux et souriant. S'il le boit, l'homme, souriant, fronce les sourcils. Dans ce registre, les métaphores sont nombreuses. Le jaillissement de la lumière est souvent comparé à l'or, le plus noble et le plus cher des métaux, tandis que les éclats que projette le vin sont comparés aux flammes. Le vin vieillit dans des jarres et il est conservé et vendu dans des amphores, et on le sert aux convives dans des coupes, des vases, des cruchons, des aiguières de toutes sortes, en verre, gravés, comme celles qui sont présentées sur ce transparent, et dont il est possible d'admirer la finesse et la beauté dans divers musées du monde. Pour les éléments de vaisselle, on parle souvent de verre, finement ciselé et gravé à l'effigie d'un empereur ancien, tel que César ou Chosroès. Le choix de ces empereurs est récurrent, et ce n'est pas un hasard, car il symbolise les traces d'une civilisation orientale, en particulier persane, qui a forgé les règles du savoir-vivre dans les cours califales arabes, et notamment à Bagdad. On a par exemple ce poème, dont on nous dit qu'il est servi dans un verre gravé du visage de Chosroès et de César, sur lesquels sont braqués les regards des peuples romains et perses. S'il était resté dans son verre pendant une heure, les gravures muettes auraient parlé. Souvent, cette vaisselle donne lieu à des métaphores animalières. Le long bec de l'aiguière ressemble au cou de la grue, tandis que la jarre est semblable à la bosse d'un chameau de bonne race. Et quand on verse le vin, le verre,
on entend son roucoulement qui ressemble au chant des flûtes et au balbutiement d'un bègue. Alors, venons-en maintenant aux personnages qui sont présents durant le service et la consommation de vin. ناس منعطفا في قرتق وقبا إلا وعوذته من غاسق وقبا ظبي ظبي نبا سيف صبري في محبته وطرف عزمي بميدان السلو كبا مترك اللحظ في أخلاقه دمث مستعذب اللفظ تركي إذا انتسبا يرمي بسهم من الأسقام أسهمني عن حاجب للكرى عن ناظر حجبا صعب القياد فإن رادت خلائقه كأس المدام ألانت منهما صعبا وليلة جاد لي عدل الزمان به فلم يفد بعدها جودا ولا ذهبا سقيت من يده طورا ومن فمه كأسي سلاف تزيل الهم والكربا فبت أسقي نديم من سلافتها راحا تكون إلى راحاته سببا ما زلت أسقيه حتى مال جانبه إلى وسادي وأخفي بعدما غلبا بتنا نقضيه والأيام تنشدنا ما كل يوم ينال المرء ما طلبا والدهر قد غفلت أيامه وغذت بطيب ساعاته تستوقف النوبا فلا تضع ساعة كانت لنا هبة من قبل أن يسترد الدهر ما وهبا Alors, dans les soirées privées, les serveurs sont souvent de jeunes hommes ou de belles femmes qui attisent d'autres convoitises que le désir de boire. Parmi les personnes assurant le service, on a les chansons. Alors, attention, ça peut être un jeune homme. Et sur ce qu'on appelle les chansons, il plane un doute. On évoque son profil androgyne, sa beauté et sa capacité à effectuer le mélange parfait comme dans ses vers, et nous avons continué à revivifier l'essence de notre esprit, où l'on nous fait boire de ce nectar cacheté, au sein des paradis verdoyants, où nous n'entendons ni futilité ni blasphème, parmi les compagnons tels les étoiles, où il n'y a ni cœur dur ni bâtard. Les chansons ont fait de nous un ami vénérable, car il excelle dans le mélange ou dans le doux amour. Puis nous avons vu dans le repos de la pleine lune un soleil s'élevant dans un ciel de vert d'étoiles. Alors j'ai surligné en rouge. J'ai oublié de passer. Pardon. Voilà, excusez-moi. Donc j'ai surligné en rouge les deux vers centraux qui sont en fait des extraits tels quels du Coran. Que les auteurs connaissent parfaitement et qu'ils n'hésitent pas à mêler à leur vers dans les deux sens. Alors, parmi les personnes qui assurent le service, on a également la sakriya, littéralement, celle qui sert à boire. Elle n'a pas d'autre compétence que sa beauté. En général, c'est une esclave adulte, mais elle peut être libre et travailler chez un tavernier, par exemple. On a aussi ce qu'on appelle une qaina, donc qui est une esclave en fait, qui possède une qualité, une qualité particulière. Par exemple, elle maîtrise le chant et donc elle sert en même temps à boire. Ensuite, parmi les personnes, évidemment, on a les buveurs eux-mêmes. Donc, a priori, ces buveurs participent au cercle, au majlis, sont issus de la bonne société et connaissent parfaitement les règles de savoir-vivre. Par exemple, l'invitation à boire, normalement, se fait de manière formelle,
mais le lieu reste ouvert et il gravite un nombre de personnes qui s'invitent sans avoir été conviées, mais qui d'une certaine façon mettent en avant la générosité de l'hôte, une des qualités essentielles dans la religion musulmane. On a par exemple toute une littérature sur un groupe bien déterminé qui est celui des pique-assiettes, qui s'invitent à tous les banquets sans y être invités. On a ici une description de la sociologie, de la typologie des participants grâce à ce poème d'Abou El-Faraj que je vais vous lire, que j'aime beaucoup. Donc, je vins plutôt que le chant des oiseaux, le soleil, comme la dague, était encore caché. Je vins avec un groupe de commensaux prometteurs, nobles, gloutons, opportunistes, héritiers du trône, intelligents et bons à rien. Nous arrivâmes comme une nuée de sauterelles, vêtues avec élégance, le plus admirable des groupes. Guidés par l'odeur qu'exhalaient les fèves, Dieu nous bénisse, plus besoin de chercher à manger. Une gazelle exquise nous accueillit avec un vin rouge aux reflets roses comme ses joues, offert généreusement et remplissant nos verres, supporté par un chant délicieux, merveilleusement déclamé. Quel repas exquis ce fut, digne d'éloge pour la vie, mais aussi pour celui qui nous invita. Alors parfois, l'auteur nous dit qu'il vaut mieux boire seul que mal accompagné. C'est ce que nous dit ce poète, donc toujours Al-Hilli, qui estime qu'il n'a pas trouvé de compagnon à sa mesure. طلبت نديما يوجد الراح راحة إذا الراح أودت بالكثير من العقل يشاركني في سرها وسرورها فيملأ أو يحسو ويكتب أو يملي ويشربها بالكيف والأين والمتى ويعرفها بالجنس والنوع والفصل فلما أبى الحرمان إلا لجاجة وأعوزني خلا يناسب في الفضل خلوت بها وحدي كما قال شيخنا وذاك لأني ما وجدت لها مثلي. Alors, autre composante indispensable à la réussite d'une soirée de beuverie, les artistes, donc au rang desquels, bien sûr, les poètes, qui déclament leurs vers dans une sorte de compétition. Il est en effet essentiel de se faire remarquer, car la profession de poète est rémunérée et la rétribution est d'autant plus importante que le poète est apprécié. Il y a également des musiciens et des chanteuses. L'association du vin et de la musique est très fréquente et donc ils sont des acteurs indispensables pour célébrer l'amour de la vie et le plaisir de vivre. Et puis il y a les danseuses, une figure qu'on ne manque pas d'évoquer. Alors dans ce passage d'un poème d'Al-Aswad Ben Yafour, donc une fois n'est pas coutume, c'est un poète anté-islamique qui est mort au 7e siècle, on a une idée de la manière dont se déroulait la soirée. J'ai goûté au plaisir de la jeunesse, me délectant d'un vin clair coupé d'eau des nuages du matin, qu'un tavernier à la voix nasillarde, boucle d'oreille et ceinturon vendait en échange de dirhams à des étrangers. Un vin versé par un échanson portant boucle d'oreille, les manches retroussées, le bout des doigts rougis de mûr, tandis que des chanteuses au clair visage, semblables à la pleine lune ou à des statues douces au toucher, allaient portant des coupes. L'ensemble de ces participants constitue les thèmes d'une poésie de vin déclamée au milieu des chants, de la musique et de la danse, et témoigne d'un temps où l'ivresse et le vin n'étaient pas illicites. Il y avait d'ailleurs, en dehors des soirées privées et des lieux où on était convié sur invitation, des lieux dédiés à la consommation du vin, et en particulier des tavernes et des couvents, lieux où était stocké le vin, mais également où il était assemblé pour donner des goûts particuliers, et où il était vieilli
dans des conditions optimales de stockage et de lumière. Ce qui m'amène à parler des lieux où l'on boit. Donc souvent, les soirées d'agape ont lieu dans des palais privés où raffinement et douceur de vivre sont de mise. On boit les meilleurs vins dans une douce ambiance feutrée et parfumée, comme ici, avec de l'encens dans le premier rectangle. Mais on peut boire donc sans se cacher dans des lieux publics, au premier rang desquels on trouve les tavernes et les cabarets, qui sont présents dans toutes les villes productrices de vin, donc qui offrent aux amateurs la possibilité de boire en public. D'ailleurs, les poèmes fourmillent d'anecdotes sur les aventures en ces lieux. Et souvent, ces tavernes sont dans les faubourgs des grandes cités, des faubourgs peuplés par les chrétiens qui ont la tradition de la culture et de la mise en bouteille du vin. Et il est servi sans abondance et sans restriction. On y va pour adorer Satan, autre nom du vin. Et donc, ces tavernes donnent parfois sur des beaux jardins qui ajoutent au plaisir de boire en agréable compagnie. Alors, j'ai ici un poème d'Abou Nouas qui nous parle de ce cabaret où il nous dit « De combien de fidèles compagnons détournais-je les montures pour les mener chez un cabaretier sur le coup de midi. Son ceinturon parla pour lui. Il n'était pas musulman. Nous pensâmes tout le bien de lui et lui de nous tout le mal. Nous lui demandâmes si sa religion était celle du Messie, fils de Marie. Il nous regarda de travers et nous tint un langage inconvenant, car il était juif, de ces gens qui en apparence vous veulent du bien, mais qui en secret sont prêts à tout pour vous trahir. » Alors la nature des cabaretiers est intéressante. Souvent on mentionne leur religion pour dire qu'ils ne sont pas musulmans. Ils sont juifs ou chrétiens, ils sont qualifiés de fils de Moïse, fils du Messie. Et ça peut être aussi des femmes qui, dans ce cas-là, apportent un esprit magique à la consommation, comme cette cabaretière qualifiée de fille de mage. Une marchande de vin, une de ces filles de mage, dans la demeure de laquelle tu peux voir les jarres surélevées, nous pesâmes pour elle de l'or solide, en échange duquel elle mesura pour nous de l'or liquide. On boit également donc dans les couvents et les lieux de culte divers, qui sont des couvents d'Irak et de Syrie et qui étaient fréquentés par le monde des libertins musulmans qui pouvaient s'y procurer du vin et d'autres plaisirs. Ils sont en général situés près des agglomérations ou isolés des villes sur des routes commerciales. Et les voyageurs viennent parfois s'y reposer car les moines avaient pris l'habitude d'accueillir ces hôtes comme le faisaient par exemple les religieux des cloîtres d'Europe. Et on y servait le vin que ces moines avaient préparé. Souvent, l'appellation dans ce cas du vin est la fille du couvent, car en arabe, le mot vin est féminin. Ces moines et ces abbés et ces nonnes, ce sont eux qui assurent le service. Et au petit matin, ils viennent réveiller tout ce beau monde en état d'ébriété avancée à la porte, en sonnant les cloches pour les réveiller. Ce qui nous emmène à parler maintenant du moment où l'on consomme, dans cette partie que j'ai intitulée « Autant suspend ton vol », car quand on boit, tout s'arrête et tout au moins on perd la notion du temps pour se consacrer tout entier à son activité favorite. Il n'est pas un poète qui ne compare le vin à la lumière de l'aube et qui n'ait célébré le vin après une nuit passée à boire. Dans un magnifique poème d'Al-Hilli, on trouve cette notion de célébration du matin qui correspond à un renouvellement de la boisson, puisque le matin, le vin change de nom. Et également, c'est l'occasion d'employer la métaphore du renouvellement du mythe des origines, comme si avec l'apparition du jour, le péché était effacé et l'on revenait à une forme de pureté, une transparence comme la lumière qui efface les vestiges de la nuit. C'est ce que nous dit Halili dans ce poème. « J'ai passé la nuit à abreuver mon invité de bon vin jusqu'à ce qu'il trouve la quiétude.
J'ai continué à le servir jusqu'à ce qu'il se penche sur l'oreiller et s'assoupisse après avoir cédé au sommeil. Quand la nuit et le vin sont achevés et que les rayons du matin s'incrustent et viennent subrepticement, la matinée s'étend dans la paume de sa main et ses doigts guident les rayons du soleil et attrapent les flammes au vol. Je l'ai réveillé à la fin de la matinée et à la fin de la matinée est apparu le temps de l'obscurité est révolu. Il a essuyé ses yeux avec la paume de la main tandis que le sommeil mettait un voile sur ses paupières. Je lui ai servi un vin alors que le voile de la nuit se fissurait, un vin qui déchire tout, voilé, tout voile par sa bienveillance. Donc, en théorie, la consommation du vin est une infraction, mais la consommation du vin est encore plus illicite car il est très mal vu de consommer des boissons fermentées le matin, ce qui nous emmène à aborder maintenant une partie sur les différentes formes de transgression qui accompagne la consommation du vin. إذا مت فانعني بخفق مثالث وصرخة ناي واستفاق مزاهري ولا تعقري غير العقار لتنضحي ثرى جدتي من سيلها المتجادر وقولي كذا قد كان ظاهر فعله وكفي فعند الله علم السرائر فإن كان ربي في المعاد مسائلي وحوسبت عن فعل الذنوب الكبائر أقول ترشفت المدام ولم أقل طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائري. J'adore ce poème, c'est un de mes préférés. Et donc les transgressions que lorsqu'on consomme de vin sont de plusieurs ordres. Et en premier lieu, bien sûr, on va parler de la transgression religieuse en nous attardant sur ce que dit le Coran. Donc, des sourates traitant du vin, la première qui a été révélée, c'est la sourate 16, verset 67. Qui nous porte à considérer que la consommation du vin et de ses conséquences sociales ne préoccupait aucune autorité annonciatrice de l'islam. Dans ce premier verset, le vin est plutôt célébré comme un signe de la faveur divine envers l'humanité. Vous retirerez une boisson enivrante et un aliment excellent des fruits des palmiers et des vignes. Mais les conséquences de l'ivrognerie se manifestent de plus en plus et de surcroît dans des espaces sacrés, ce qui emmène un changement d'attitude. La sourate 2 traduit ce sentiment, et particulièrement ce verset, le 219. Il t'interroge sur l'alcool et sur le jeu d'argent. Dis, en l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaines utilités pour l'homme, mais dans les deux cas, le péché l'emporte sur l'utilité. Plus tard, le texte revient encore sur ce thème, car visiblement cette révélation n'a pas été comprise comme une interdiction définitive, les habitudes des croyants demeurant inchangées. Dans une troisième révélation, Allah va interpeller les croyants dans la sourate 4, verset 43, de manière claire. « Vous qui croyez, n'approchez de la prière, vous qui êtes ivres, attendez de savoir ce que vous dites, ni en état d'impureté. » Or, comme nous l'avons vu, l'alcool reste largement consommé, mais pire encore, les poètes consommateurs font preuve d'une irrévérence religieuse affirmée. Ils ne sont pas des mécréants, ignorants du texte sacré, mais au contraire, ils l'utilisent pour écrire des vers servant le message qu'ils veulent délivrer. Et ils utilisent les connaissances du Coran pour trois choses, pour glorifier le vin, pour dénoncer les hypocrites, et pour critiquer les rigoristes qui jugent les buveurs en invoquant le texte sacré à tout bout de champ pour condamner des hédonistes qui entendent profiter de la vie. Il y a par exemple ce texte très significatif
où Al-Hilli nous parle des, des moralisateurs qui viennent parmi l'assemblée des buveurs leur rappeler que boire est illicite, alors que même eux-mêmes n'ont rien de respectable. Allah t'a préservé de tous les tristes sires, stupides et craintifs, qui trouvent un interdit dans la jouissance du vin alors qu'ils pratiquent l'usure prohibée. Ils voient le mensonge, l'espionnage et la médisance comme étant autorisés par la loi islamique. Et ils viennent parmi tes invités, ils tiennent des propos déplacés en disant qu'ils n'aiment pas le vin. Tourne-leur le dos sans pitié et fais tout ce qui est nécessaire pour les éloigner. Dis-leur que la présence volontaire en une assemblée où l'on consomme du vin est un péché. Ceux qui ont l'esprit clair parmi ceux qui sont sous sont comme ceux qui sont assis parmi ceux qui sont couchés. L'autre forme de transgression que l'on va évoquer, ce sont les transgressions sexuelles. La description poétique porte sur toutes les formes de libertinage, allant parfois jusqu'à l'obscénité, notamment les vers traitant des rapports avec de très jeunes filles ou garçons, ou bien sûr les amours homosexuels qui ont la part belle dans la poésie bachique. C'est sans équivoque que la poésie est parsemée de touches érotiques, et notamment à l'encontre du Roulam, ce jeune garçon qui est très équivoque. Le poète nous décrit toujours des caractéristiques physiques, son cou qui se balance avec la grâce d'un faon, et qui insiste sur un vocabulaire répétitif pour décrire un adolescent. Par exemple, Abou Nouas ici, qui nous décrit l'amour qu'il porte à une roulamiyat. Donc il y a une ambiguïté parce que roulamiyat c'est féminin, mais c'est aussi parfois un moyen d'évoquer quelqu'un de masculin. Donc je souffre de l'amour de roulamiyat aux accroche-cœurs sur les tempes enlacées, à la taille droite, effilée, vêtue de chemises boutonnées, apte aux deux amours, donc c'est pas beaucoup d'équivoque. Je désigne ainsi ma maîtresse, celle qui tient ma vie entre ses mains. Les amours homosexuels sont à peine dissimulés. Abou Nouas les a revendiqués avec force tout au long de son œuvre, notamment en s'attardant sur la figure ambiguë de l'échanson, adolescent gracieux, un enfant, mince, svelte et souple, coquet et séduisant, gracieux comme une fille, dont il nous donne une représentation idéale. Ses yeux noircis au col sont ornés de cernes d'éveillés et, semblables à ceux d'un faon, remplissent d'ivresse les convives. Sa chevelure abondante, parfumée à l'ambre gris, orne son front et ses tempes. Son visage à l'éclat est la rare beauté d'un astre, ses dents sont aiguisées, ses doigts fins et délicats sont teints au henné. Il porte une tunique qu'il retrousse pour servir. Dans ses vêtements qui le moulent, sa démarche est ondulante et légère. Il pare sa tête d'une couronne de fleurs, porte des boucles d'oreilles et parfois un collier d'amulettes. Tout cela fait baigner de nombreux poèmes bachiques dans une atmosphère très particulière. Parfois l'érotisme est léger, en demi-teinte, il rehausse le thème du vin. Mais souvent la description de ces garçons, leurs dialogues, leurs gestes occupent une place fort importante et l'érotisme fait alors partie intégrante du plaisir bachique. Il complète le chant du vin dans un ordre qui est logique, naturel au poète. Et on en vient même à se demander parfois si le bachisme n'est pas le prétexte au développement du thème de l'amour contre nature. Enfin, la dernière transgression est celle de l'ivresse. Tous les effets du vin sont célébrés, en particulier donc l'ivresse, qui répand dans le corps une tiède langueur. Il détourne l'âme des malheurs qui l'affligent, il dispense la gaieté, la force. Le vin séduit la raison et l'égare, l'avare devient généreux, le poltron reprend courage, le faible a l'illusion de la puissance. L'un des poèmes d'Al-Hilli, qui est montré ici, nous rappelle que le vin, nous dit que le vin anéantit le temps, car on y perd la notion de ce que l'on est pour être un autre. Un vin de qualité est plus fort que le temps, car avec lui, il s'évapore, ne laissant que le meilleur.
Il alourdit la langue par le secret, mais son alcool allège les rêves. Le sourd et aveugle de naissance connaîtra sans difficulté des calculs savants et inversement, si un éloquent le boit, son langage sera coupé et incompréhensible. Alors, de la simple mise en garde sur les méfaits de l'alcool, le Coran a fini par interdire purement et simplement toute boisson alcoolisée. Mais Dieu promet aux croyants vertueux, eux, une boisson paradisiaque évoquée à maintes reprises dans des versets coraniques. Notamment la sourate 56 qui va vous être lue maintenant. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. On peut comparer ce banquet du paradis au banquet sensoriel décrit par les poètes. Si le Coran met en garde contre les dangers du vin, il convient de retenir qu'il en fait un plaisir digne du paradis, voire un de ses délices. L'univers vinicole est tout autre dans l'au-delà. Il se place au même titre que les houris, les vierges du paradis, et d'autres douceurs célestes, au cœur de la promesse paradisiaque. Ce paradis donne une image extrêmement d'un extrême raffinement, pierre, habits de soie et de brocart, vin doux et sucré, nourriture succulente, variée et abondante, une image que cette société huppée de buveurs épicuriens tente de reproduire sur terre, bien peu pressée de vérifier les préceptes divins. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. On va maintenant pouvoir poursuivre avec des questions, si vous voulez bien. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai fait des parallèles également avec d'autres choses que nous avons entendues dans d'autres cycles de conférences. Par exemple, ce vocabulaire des fleurs et des odeurs pour décrire le vin, dont il a été question dans notre tout premier cycle de conférences sur la dégustation. On se rend compte que finalement, l'emploi de ce vocabulaire qui apparaît plutôt au XXe siècle en Europe est beaucoup plus ancien dans le monde oriental. Voilà. Mais je vais laisser place au débat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous demanderai juste de garder votre masque quand vous parlez dans le micro. J'ai été très très intéressée, mais j'ai quand même une question, un doute à propos de la situation économique et culturelle de l'Arabie avant l'expansion de l'islam. Parce que si j'ai bien compris, cette expansion a entraîné une richesse importante. Oui. Est-ce qu'avant cette expansion
comment se présentait la situation? Est-ce qu'on trouvait des poètes? Est-ce qu'on trouvait des... Alors oui, oui. Donc il existe une tradition de la poésie qu'on appelle anté-islamique, mais qui était une poésie très classique, très réglementée, avec des thèmes très, enfin réglementés, les mêmes thèmes, qui se tournaient essentiellement vers la glorification de la tribu, des ancêtres, par exemple, et donc qu'on scandait durant la veillée. Donc il y a une très grande tradition de la poésie anté-islamique qu'on appelle souvent la poésie des Bédouins parce qu'elle se déclamait lors de la veillée. Et donc on reconnaissait la valeur d'un chef à sa capacité à déclamer des poésies très longues et très, comment dire, maîtrées. C'est-à-dire les vers devaient faire un certain nombre de pieds, etc. Le ton de liberté sera nouveau justement, non seulement dans les thèmes, mais dans la manière de déclamer cette poésie qui devient moins formelle. Y avait-il aussi une évocation du vin ? Une évocation du vin ? Oui. Oui, on parle du vin. Alors en Arabie, eh bien évidemment, on boit du vin de date. On boit largement dans la société anté-islamique, sur les routes marchandes. Donc on a été en contact avec les Romains qui cultivent le vin et qui le vendent sur tout le pourtour de la Méditerranée. Donc oui, l'alcool est chanté sans restriction. Oui, juste une simple remarque, c'est que quand on parle par exemple de la poésie anté-islamique, comme on dit chez Al-Jahili, c'est qu'on suppose que cette poésie a bien existé avant l'islam. Alors que, comment par exemple peut-on expliquer que c'est dans les vers composant cette poésie, il n'y a pas le désert par exemple? Donc on peut dire, comme Taha Hussein, c'était un grand intellectuel arabe et égyptien, qui a fait d'ailleurs sa thèse à la Sorbonne, et qui a écrit un ouvrage en disant que, et il y a de fortes possibilités que cette poésie soit bien après l'islam, c'est-à-dire à l'époque abbasside, justement. Donc voilà, ça c'est juste une remarque pour vous dire que quand on parle de cette poésie, ce n'est pas forcément une donnée d'emblée de dire que c'est anti-islamique. Voilà. Merci. À part la sourate 56, où on entendait revenir un certain nombre de sons répétitifs, est-ce que dans les poèmes bachiques, est-ce qu'il y avait des rimes? Oui. Je pense que là, tu peux peut-être plus parler. Bon, bien sûr, la traduction ne rend pas, mais effectivement, toute la poésie est basée sur une rythmique et sur une rythme. D'ailleurs, les mots sont... On ajoute les voyelles dans les mots, en fonction du nombre de pieds que l'on veut obtenir et de la rythme, du rythme. Si on peut juste revenir sur, par exemple, les slides où il y a pour vous montrer, en fait, que dans les... juste peut-être avant, là où c'était... Encore. Voilà, par exemple, là. Vous voyez, à la fin, il y a la même, a priori, une lettre qui se répète. Et si on voit par exemple un autre un peu plus. Alors. Voilà. Là par exemple, il y a la même lettre, c'est l'em, à la fin. Et dans le diwan, et dans chaque diwan, on fait le classement selon l'ordre alphabétique de la fin des vers. Donc il y a un rythme. On ne va pas entrer dans tout ce qui est technique, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, ça s'appelle. Déjà, le bohor, c'est les mers, les océans. Donc, il y en a plusieurs, et ça dépend de. Et c'est là aussi où on peut dire qu'un poète, il est excellent. Pourquoi ? Parce qu'il peut à la fois faire des poésies très compliquées, parce que, par exemple, pour faire avec l'âme, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a énormément de mots. Mais
Pour faire, par exemple, avec une lettre qui est très rare, c'est comme si je vous dis, par exemple, un puzzle, dites-moi combien de mots en français que vous connaissez qui commencent par W. Ah, ça, c'est compliqué. On peut dire 1, 2, 3, mais on ne peut pas dire centaines. Mais alors qu'avec eux, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est très technique. Oui, bien sûr. À la période actuelle, c'est vrai que là, c'était une période bien précise dans le temps. Est-ce qu'actuellement, il y a encore des poésies bachiques ? Alors, actuellement, je peux vous dire que la consommation du vin et de la bière, j'ai dans l'ordinateur les statistiques. Par exemple, en Afrique du Nord, on bat les records. On bat les records, hein. Il y a une consommation réelle. Hein, et ça, c'est une production aussi. Hein. Une production et une consommation. Et la consommation, elle est prouvée par des données statistiques. Et, on ne peut pas dire que c'est des hypothèses. Et donc, bien sûr, il y a le fait qu'on consomme chez nous, ou quand on est invité. Et il y a tout, ça reste un tabou. Ça reste un tabou. Donc, pour la poésie, personnellement, j'en connais pas beaucoup par rapport à ce qui a été avant. Comme d'ailleurs, par exemple, les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, ils étaient lus partout, y compris, par exemple, dans l'université d'Al-Azhar et tout ça. Mais maintenant, c'est terminé. Donc, pourquoi ? Parce que il y a certaines choses quand la civilisation est développée, il y a des tabous qui sautent. Et quand il y a ce développement, il y a bien sûr des tabous qui reviennent. Je vous donne le micro. Juste par rapport aux Mille et Une Nuits, juste une parenthèse pour vous signaler qu'on en présente deux exemplaires de la bibliothèque dans les vitrines de l'exposition et que c'est effectivement un recueil d'histoires qui regorge de scènes très alcoolisées. Oui. Il y a en fait les trois tabous, c'est le sexe, l'argent et surtout le vin. Donc pour le moment, c'est interdit. Bonjour. J'avais juste une question pour savoir s'il faisait mention dans la poésie arabe de lien entre le vin et l'écriture poétique. Est-ce qu'il y a des poètes qui ont fait mention du fait que boire du vin pouvait aider à l'écriture poétique, pouvait entraîner, je ne sais pas moi, comme dans l'écriture française avec Baudelaire ou ce genre d'ivresse qui peut entraîner la verve poétique, etc. Alors, exactement, je ne sais pas, mais on a un exemple, par exemple, pour Al-Hilli, qui dit qu'il est avec son compagnon, et donc que ce compagnon, il lui dicte, voire même il écrit. Donc, en fait, il sous-entend que c'est pendant qu'il boit qu'il récite de la poésie. Et il y a aussi toute une partie qui concerne l'improvisation. Donc, comme j'ai dit, les vers ont été déclamés. C'est un peu maintenant comme les combats de rap là, parmi les jeunes. Et ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a une inspiration spontanée, on déclame des vers et quelqu'un les note quelque part pour les garder. Donc oui, certainement, ce qui est certain, c'est qu'on déclamait de la poésie lorsqu'on buvait. Et donc certainement... jusqu'à un certain seuil, l'alcool pouvait jouer sur l'inspiration du poète. Une seule remarque, en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'ivresse divine. Il y a des personnes qui sont très ascètes, très religieuses, mais qui font de la poésie, mais de la poésie, on dirait de la poésie vraiment comme celle-ci. Alors qu'il parle de l'ivresse, mais l'ivresse, l'amour de Dieu, l'amour de la nature, l'amour de... Voilà, donc c'est une ivresse qui est très... c'est comme les soufis, en fait. Les soufis, oui. Donc, voilà. Et je te demandais ça parce que j'ai beaucoup étudié Hafez, oui. Hafez de Shiraz, donc une poétie persane. Oui. Et il fait beaucoup mention du vin et de ce que le vin apporte au niveau ivresse. C'est souvent l'ivresse comme divine, et mêlée avec l'ivresse du vin. On ne sait plus de quelle ivresse on parle. Justement, dans le parcours, il y a un parcours. Enfin, dans l'exposition, il y a un parcours sur
L'ivresse divine, ça s'appelle, hein, c'est ça. Donc il y a les poésies soufies de comment ça s'appelle Omar Khayyam, vous disiez Omar Khayyam? Non. Non, c'est le nôtre là, c'est un manuscrit qui. Oui, enfin bref, donc où le vin est assimilé à Dieu, et donc c'est le nom qui désigne Dieu en fait. Donc et donc l'ivresse est un moyen d'accéder à Dieu. Effectivement, mais c'est de la poésie vraiment soufie. C'est la question que j'allais poser, mais bon. Oui, ben. Je voulais savoir si ça devait être pris au premier degré ou si ce n'était pas une métaphore, justement, de l'amour du vin, ce n'était pas l'amour divin, et si l'ivresse n'était pas une ivresse mystique, finalement. Alors, donc, parce que vous citez Rumi, par exemple, donc, Rumi. Persan. Oui. Et donc c'est pareil aussi chez les poètes arabes. Bon alors, je dirais là, pas du tout dans ce cas-là. Par exemple, si on prend Abu Nuwas, il n'y a pas de métaphore. Hein. Il décrit ce dont il a envie, la manière dont il vit. Il a fait plusieurs séjours en prison, par exemple, parce qu'il allait trop loin. Donc oui, dans le cas de la poésie dite classique, donc post-8e siècle et non mystique, les descriptions sont matérielles. C'est ce qui la caractérise par rapport un petit peu à la poésie ancienne. Mais la poésie soufie, effectivement, c'est une description divine et de l'accès au divin via l'ivresse. Et c'était juste pour ajouter une simple remarque, c'est que certains savants musulmans, par exemple, disent que quand Dieu parle dans le Coran de l'ivresse dans le paradis, ce n'est absolument pas l'ivresse telle qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Oui. Donc l'ivresse, si on peut dire divine, c'est il donne pas des maux de tête, il ne crée pas de problème. C'est on est ivre parce qu'on est dans une situation vraiment d'amour. Et ça, c'est une interprétation. Enfin, dans le Coran, il dit bien à plusieurs reprises qu'il y aura dans le paradis des vins, justement. Oui, des ruisseaux même. Qui ne saoulent pas ou qui ne, qui ne contiennent pas d'ivresse, comme il est dit dans la sourate qu'on a lue. Oui. Qui ne provoquent ni maux de tête, ni étourdissement. Donc on a tout le plaisir du vin, mais on n'a pas ses ennuis. Quoi. En gros, c'est la promesse divine. On peut encore prendre quelques questions, si vous voulez. Alors, monsieur, puis monsieur. L'islam est arrivé dans des sociétés qui avaient un art de vivre, et l'alcool, comme vous le disiez, existait dans toutes les traditions. Comme vous l'avez dit au départ, le rapport entre le prophète et l'alcool était conciliant, et puis ça s'est radicalisé. Est-ce que le vin n'est pas un jauge de rapport entre cette société et l'islam, et au fur et à mesure de la radicalisation de l'islam, l'attaque au vin s'est accentuée, et je prends l'exemple de la société iranienne où il y a tout ce jeu entre le vin, consommation, vin divine et autres, mais ça a été une jauge et aujourd'hui effectivement on le voit dans un côté très radical, mais il y a eu beaucoup de dans l'Empire ottoman, dans beaucoup de périodes, une cohabitation très, très normale des valeurs islamiques et l'alcool. Ça s'est passé comment? Parce que dans des sociétés arabes, il y avait quand même les chrétiens, il y avait les juifs, il y avait toutes ces minorités qui existaient, l'alcool circulait, vivait. Comment ça s'est passé? Vous avez des séquences comme ça de radicalisation et de relâchement entre l'alcool et l'islam? En fait, moi, ce qu'on sait, c'est que donc l'alcool était vendu et consommé librement avant l'islam, et que bon, c'est effectivement un moyen de séparer, d'intégrer un groupe et de laisser à l'extérieur donc les non-croyants. Maintenant, comme vous le disiez, c'était par période, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où l'autorité politique n'est pas forte ou n'est pas restrictive, et donc on autorise la boisson.
par exemple, à l'heure actuelle, il y a des pays comme la Turquie où l'on boit assez librement, on trouve de l'alcool. Enfin, alors, je ne sais pas, j'y suis pas allée depuis quelques années. Donc, oui, c'est vraiment le... Je pense que c'est plus le pouvoir politique, donc qui est évidemment lié au pouvoir religieux, qui va entrer dans un système de coercition. Mais voilà, dans tous les pays musulmans, effectivement, il y a des communautés chrétiennes assez importantes pour qui l'alcool n'est pas un tabou et qui sont autorisées à boire, à vendre, à commercer le vin. Mais bon, c'est-à-dire, c'est difficile de faire une généralisation parce que l'espace est si large, l'espace géographique. Et puis, bah, il y a différentes formes de pouvoir à divers moments, dans divers endroits. Donc, c'est un peu ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que dans les États où on a un pouvoir religieux, une république religieuse, ben, on interdit l'alcool. Et puis dans les États plus libéraux, l'alcool est interdit en théorie, mais les gens boivent, comme au Liban, en Turquie, enfin, je ne sais pas. Oui, c'est une simple remarque, c'est que l'interdiction stricte et formelle du vin, on ne peut pas la trouver dans le Coran. Par exemple, il y a fajtanibou. Qu'est-ce que ça veut dire fajtanibou? Ça veut dire éviter. Si on dit à quelqu'un éviter, c'est pas une interdiction, c'est un conseil plutôt. Et là, ça dépend du pouvoir politique. Il dit non. Il y a des pouvoirs politiques qui disent non. Éviter, ça veut dire vraiment interdire. Il y a d'autres qui disent éviter, c'est dans certains cas. Donc, c'est pour ça que c'est très souple, en fait. C'est l'interdiction nette et claire, et il n'y a pas le verbe « naha », par exemple, « interdire ». Pourquoi Dieu n'a pas mis « naha » ? Il a dit « fajtanibou ». Ça, c'est à réfléchir. Sinon, par exemple, dans Sahih al-Bukhari, qui est, ça, c'est le deuxième pilier de l'islam, il y a le Coran, il y a aussi les hadiths. Donc, il y a, par exemple, un hadith qui disait que le prophète buvait de Nabid. Nabid, c'est le vin des dattes. De palme. Donc, si le prophète lui-même le buvait, donc, voilà. Et ça, c'est Sahih. Hadith Sahih, c'est quelqu'un de référence, moi, je peux lui donner. Donc, c'est compliqué de dire que c'est une interdiction depuis le début jusqu'à maintenant. Il y avait toujours des consommations, une consommation qui est très forte, mais voilà, il y a des tabous. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir tendance à transposer ce que l'on vit à l'heure actuelle sur des sociétés anciennes. Parce que voilà, il y a eu des espaces de liberté dans la sphère relevant de l'islam, parfois des libertés bien plus grandes qu'en Europe. Et bon, bah, à l'heure actuelle, il y a une inversion des tendances, mais je ne pense pas qu'on puisse transposer notre vision actuelle de la société musulmane sur ce qu'elle a été. Notamment dans ces premiers siècles et cette période où elle a dominé en quelque sorte, je dirais pas le monde, mais au moins l'espace méditerranéen. Bonsoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre présentation, puis toutes ces traductions que vous avez offertes des poèmes d'Al-Hili et puis d'autres aussi qui étaient, voilà, ce sont quand même des poèmes assez difficiles. Et je me suis posé une question quand même sur un choix de traduction que vous avez eu quand, en évoquant les couleurs, je crois c'est dans les couleurs, sur le terme de kahwa. Oui. Vous avez traduit donc le vin couleur de café. Je me suis demandé si c'était peut-être pas l'inverse, parce que le café est une boisson qui est introduite en fait après l'époque de cet auteur, qui se diffuse au XVIe, XVIIe siècle, et là on est dans des périodes plus anciennes. Et justement, le nom de kahwa pour le café est plutôt une reprise d'un nom plus ancien, qui était utilisé aussi pour parler du vin. Donc je ne suis pas sûr que ça ait un rapport avec la couleur, en fait, l'usage de ce terme. Donc ça, c'est une première question. Et puis alors, une deuxième aussi, qui est un peu dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est également à qui s'adressent ces poèmes lorsque Al-Hilli les rédige, parce qu'il écrit quand même une période qui est assez tardive, oui, où il donne beaucoup de place dans son diwan
à ces poèmes de vin à une époque où justement le vin est beaucoup plus la présence du vin, la consommation est beaucoup plus condamnée dans la société et où ça reste quelque chose qui est finalement lié à une élite parce que c'est bon le vin on peut en consommer à partir du moment où on sait justement quand s'arrêter, quand on bascule d'une ivresse qui est positive à l'ivrognerie. Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas ici des poèmes qui s'adressent à un public qui est vraiment un public choisi? Et est-ce que Al-Hili ne cherche pas aussi à se rehausser au niveau des grands poètes classiques, c'est-à-dire en imitant ces poèmes-là et d'une manière un peu déconnectée des réalités qui étaient les réalités concrètes de son temps par rapport à cette consommation du vin? Voilà, c'est un peu les deux questions que je voulais vous poser. Oui, alors pour la première, je pense que Kahwa, ça veut dire le café, oui. Parce qu'il y a le café au Yémen dès le Xe siècle, donc qui est connu dans le monde arabe, mais qui, c'est vrai, ne pénétrera le monde occidental que vers le XVe siècle. Donc, je pense que... Alors, est-ce que c'est l'inverse? Enfin, est-ce que c'est... on a donné au café ce nom à cause de la couleur? Je ne sais pas. Oui, en tout cas, c'est... on s'est inspiré d'un des grands spécialistes dans le domaine qui s'appelle Jamaldine Benchir. Et donc, c'est lui qui disait que, voilà, cette hypothèse, bien entendu. Et il parlait aussi de l'amertume du café par rapport au vin. Voilà. Donc, il y a quand même cette analogie qui fait qu'on a choisi ce terme. Après, effectivement, c'est intéressant de savoir d'où vient le mot Kahwa dans la langue arabe. Effectivement. Et la deuxième question, C'est à qui? Donc, à qui? À plusieurs personnes de catégories, on va dire, socioprofessionnelles différentes. Ça peut être à des commerçants, ça peut être à des émirs, surtout les orthoquides. Donc, il y a aussi à des amis. Ça peut être même parfois pour enquiquiner un savant musulman qui ne veut pas entendre tout ça. Donc, d'ailleurs, dans son diwan, il disait, ça, c'est une poésie que j'ai réalisée pour tel faqih. Faqih, c'est le savant. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que, bon, de toute façon, l'écrit s'adresse toujours à une élite. En particulier, Al-Hilli, c'est vrai qu'il est tardif, mais bon, il a fait ses premières armes à la cour des Artoukides, donc une dynastie turque qui est assez libérale encore. Il a exercé à la cour d'un sultan mamelouk, par exemple. Donc, il a vraiment parcouru tout l'est de la Méditerranée. Mais réellement, il exerce, il est connu, il a un talent, il est reconnu, il est demandé, en fait. On lui demande de participer. Donc, c'est une cour, il exerce dans les cours, dans les palais, et il s'adresse à un public bien particulier. Et alors, c'est vrai que son œuvre porte la volonté de se placer dans le classicisme arabe de la poésie. C'est-à-dire, au moment où Al-Hilli écrit de la poésie au XIVe siècle, on n'écrit plus la poésie comme ça. Mais lui, il a cette volonté encyclopédique de reproduire, en fait, l'ensemble des poètes qui l'ont précédé. Et c'est pour ça que son œuvre est immense et qu'elle reproduit des thèmes qui ne sont plus du tout au goût du jour au XIVe siècle. Effectivement, quand on voit par exemple les images poétiques d'Al-Hilli, on va les comparer automatiquement, par exemple, des images de Abu Nawas. On n'est pas très très loin. C'est 5 siècles avant. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas très très loin en termes ni de l'inspiration, ni même des termes utilisés. On peut trouver vraiment des... C'est pas du plagiat, bien entendu, pas du tout, mais il y a quand même des similitudes. J'ai encore une question ici, et puis je repasse le micro après. Alors, je confirme, en Turquie, on peut consommer de l'alcool assez facilement. Et par rapport à la dernière question, je voulais savoir, la consommation de l'alcool, vous avez dit qu'elle était aussi possible dans l'espace public.
Mais finalement, est-ce que l'alcool, le vin, était plutôt adressé à l'élite? Ma question, c'est par rapport au coût. Est-ce que c'était cher, le vin, à l'époque? Non, alors non, c'est pas adressé à l'élite, en fait. Hein. On a des chiffrages, des consommations populaires. Alors, ce qui change, c'est la qualité. Par exemple, Hussein évoquait le Nabiz. Donc, c'est un vin de palme de basse qualité qui est raillé, d'ailleurs, par les poètes ou par l'élite. Par exemple, dans les livres de cuisine, conseiller un vin de telle qualité et surtout ne prenez pas ce que boit le commun des mortels, etc. Donc, mais par contre, la consommation d'alcool est universelle, c'est-à-dire elle touche toutes les catégories de la société. Moi, ma question rejoint la deuxième question du monsieur là-bas. Je voulais savoir si on pouvait parler de poète de cour, s'il y avait un terme arabe pour désigner ce type de... Enfin, métier n'est pas le terme, mais en tout cas de fonction. Et je voulais savoir si, par rapport à cette typologie de poésie bachique, est-ce qu'il y avait déjà eu mention, trace de commandes faites par des princes de ce type de poésie? Est-ce qu'on sait ça ou... Alors, ça, je ne saurais pas répondre. Il y a des commandes, oui, mais de poésie bachique, vraiment bachique, ça, je ne sais pas. Par contre, souvent, le recueil est écrit pour honorer un souverain. Et donc, c'est une commande, effectivement, qui permet d'avoir une gratification financière. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, effectivement, à l'époque abbasside, les poètes sont rémunérés, les poètes de cour sont rémunérés, ils sont payés. Et ils sont payés. Alors, je ne sais pas si c'est un salaire, ça, je ne saurais dire. Mais en tout cas, ils sont payés pour leurs prestations. Je ne sais pas si tu en connais. Ils sont souvent étrangers. Donc, ils sont nourris, logés, blanchis. Ils vivent à la cour. Ils s'appellent Sha'ir al-Balat, par exemple. C'est le poète du château, et parfois même de tel prince, de tel roi. Et donc, il y a certains poètes qui ont ces titres-là, bien entendu. Donc, ils font partie, en fait, de la cour. C'est important. Alors, l'heure avance, je peux prendre une dernière question, éventuellement. Peut-être monsieur, non ? Il y a quelqu'un qui... Sinon, ce sera notre conclusion. Alors, avant de vous laisser partir, je vous informe que demain, à la même heure, se tiendra une conférence sur Bacchus, la figure de Bacchus. Donc, on est un petit peu dans le prolongement de cette soirée. Simplement, la conférencière sera en visio. Elle n'a pas pu venir de Brest. Voilà, c'est Sophie Guermès, donc, sur la puissance de Bacchus. Ensuite, nous allons faire une petite pause de 15 jours pendant les vacances, au cours desquelles la salle d'exposition sera bien évidemment ouverte. On propose également des visites guidées tous les lundis à 17h30, les samedis matins à 11h, des visites générales de l'exposition, et les jeudis soirs à 17h30, des visites thématiques autour de deux parcours, le parcours alsacien et le parcours femmes et vin. Et puis, la programmation de soirées de conférences reprend en novembre. Vous avez le programme à la sortie de la salle. Merci encore à nos deux conférenciers, Hussein et Véronique. Et merci à vous pour cette belle soirée et ce temps d'échange riche.